Là, c'est dur, là. Il est actuellement 7h02. On est le 3 juin. Et la Zilane, c'est demain. Salut, c'est Bichard, on se retrouve pour la vidéo Zilane, c'est fou. Là, je vous prends un petit peu dans le vlog. On est actuellement jeudi 3 juin, il est 12h21 et merde, putain, il faudra flouter la notif, s'il te plaît. Je viens de finir mon partiel de jeudi matin, j'avais deux partiels ce matin. J'ai commencé à 8h, j'ai fini à midi 15 à peu près. Donc je suis crevé, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a peut-être un peu de bruit. On va partir dans quelques minutes pour Lyon. Il faut que je démonte tout le setup, je vais vous montrer ça, c'est un truc de dingue. Il y a tout ça à démonter, donc les deux écrans. C'est pas très rangé, donc voilà, vous en faites pas. Il y a l'ordi ici à prendre, il y a tous les câbles, il y a les micros, il y a les cartons, il y a les caméras. Ensuite, il va falloir tout remonter à Lyon. Dans quelques heures, on se retrouve avec Guigui et Arcan. Ça va être fou, ça va être génial. Bon, c'est le timelapse. Celui qui fait le montage, ça, cette discussion. C'est Bunked. Bunked. Comment tu vas, mon gars? Il l'a depuis le début. Ça va, Bunked? Ça se passe bien? Bon, il te reste combien, environ combien d'heures de montage? 40, 50? Bunked, il est là depuis le début, je tiens à le souligner. Mais c'est vrai. D'ailleurs, Bunked, c'est celui qui a monté la dernière vidéo Zilane. Donc s'il y a un progrès, c'est normal, c'est parce qu'entre les deux, il y a 10 mois. Regardez-moi ça. Regardez. Eh, en vrai, vous pensez qu'il sera bien là? Moi, je pense qu'il sera bien là, il est posé, il est pépouze. En vrai, je pense qu'il est Gucci. En vrai, il est Gucci. Vas-y. Hôtel 4 étoiles là, vas-y. J'ai vraiment peur de le casser. Ah, ça rentre comme papa dans maman! C'est bon, on est bon. Je pense qu'on est presque bon. Quelle heure est-il? On doit partir à 13h15. Il est 13h06. On est très mal. Bonsoir, on est parti, on est actuellement en voiture. On est avec Samy, le petit chauffeur. Coucou tout le monde. Il est vert, il faut avancer. Je suis actuellement en train de suivre en même temps mon cours de l'après-midi. Bon, qui est sur le PC, vous le voyez pas, mais bon, voilà. Si ça se trouve, hey, à chaque fois qu'on passe une bosse, les gens ils entendent. Oh, j'ai fait tomber le micro. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. En fait, vous, ce sera quelques secondes du coup. On va peut-être faire un timelapse, mais on va peut-être filmer un petit peu la route. Je sais pas. Je suis pas vlogueur moi de base, hein. Vraiment, je suis streamer. L'entrée d'autoroute au moins. L'entrée d'autoroute. Bon, ok, l'entrée d'autoroute. On va bombarder. Gros bisous et à tout à l'heure. En vrai, on est passé par deux autoroutes, je saurais les reconnaître. Si on tombe sur A7 et A9, je sais où c'est. Voilà. Je garde la caméra. En vrai, c'est pas bien loin. Oh, j'en veux plus. J'ai trop couru. Merci. Merci. J'ai mis des choses horribles. Il a fait quoi? Regarde, tu vois, il est vraiment horrible, ça va. Bon. Mais c'est facile. Mais ça va, il est beau. Salut, Guy et Lou ils sont partis chercher à manger parce que bah on vient de les rejoindre et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de transition dans ce vlog. Mais du coup, petite connerie, on va juste prendre une petite photo. C'est incroyable. Ok, on va essayer d'avoir sa réaction. Attends, ça sonne. Je peux te rappeler dans 5 minutes? Quoi? Oui. Je suis parti. Mesdames et messieurs, les 8 poules de la Zilane. Allez, vous fichiez. On est Sidon. Comment ça, vous êtes Sidon de votre poule, vous? C'est incroyable. On vient d'avoir la liste des poules, mesdames et messieurs. C'est incroyable, on a été Sidon 1, c'est fou. C'est encore plus la pression, quoi. On est dans la merde, hein. On est dans la sauce. Mais bon, on fera de notre mieux. On va essayer de pas parler trop fort. En gros, c'est la fin de la première journée. On va pas tarder à aller se coucher. Demain, j'ai partiel à 9h. Tout est installé, tout est prêt. On va croiser les doigts pour demain. Et voilà, ça va être une belle journée, belle première journée de Zilane. Demain, on jouera Valheim, GeoGuessr, Battle Rite. On verra comment ça se passe. Allez, à demain. Eh ouais, il était temps. Vendredi 4 juin,
Il est 8h16 et dans quelques minutes, je vais passer mon premier partiel de la journée. J'en ai deux aujourd'hui, un à 9h et un à 13h30. Le réveil a été dur, hein. Vous sentez que j'ai pas beaucoup dormi. En vrai, le plus dur, c'est de me dire que tout le monde est en train de dormir et moi, je suis en train de travailler. Voilà. Regarde. Elle est pas belle comme ça ? Moi, je la trouve beaucoup plus authentique. Et du coup, voilà. Petit plan juste pour dire que là, je vais enchaîner sur mon... trop de partiels. Mon deuxième partiel du vendredi, 13h30, directement à la LAN. Je vais mettre un petit peu de musique dans le casque. Le petit pouce de The Guild. Et alors, tu vois, l'équipe s'appelle Pas les Poules Pitié à droite, là. Mmh. Au milieu, avec le casque rose, c'est Bichard. Ouais. Et figure-toi que cet après-midi, il était en partiel. Il était en examen. Oh. Et alors, il passait son examen en plein milieu de la salle. Il rédigeait son truc et tout. Il était sur le net en train de passer son partiel. Oh, et donc, il avait mis une pancarte sur son écran qui disait partiel SVP, ne pas déranger. Il avait son casque et il faisait son truc, là, en pleine LAN. Et puis, tu sais s'il a réussi son partiel. Je lui ai pas demandé si ça s'était bien passé. Oh. On ira lui demander tout à l'heure. Donc, voilà, le boss, je me suis dit, putain, il est déterminé quand même. Hein. De faire ça en pleine LAN, mais voilà les petites anecdotes. Posez pas de questions par rapport au casque, je sais qu'il est insane, il est incroyable. J'ai perdu le RTZ deal de l'eau, donc je vais devoir jouer avec ce casque. Sachant qu'aujourd'hui je suis tout en rose, du coup ça va très bien. Allez, à tout à l'heure, je ne sais pas couper. C'est bon. On va jeter un petit coup d'œil au planning, juste vite fait, le planning, mesdames et messieurs, de cet événement. Alors voilà, vous le voyez, vendredi, Valheim, Battle Ride Royale, GeoGuessr, c'est aujourd'hui, c'est les phases de groupe qui vont commencer. Demain, début d'après-midi, on commencera la suite avec Trials Rising, Warcraft 3, Quake Live et Trackmania. Puis on partira dans les huitièmes de finale, avec deux jeux sélectionnés, puis un jeu tiré au sort. Ensuite, quart de finale, deux jeux sélectionnés, un jeu tiré au sort. Et enfin, le dimanche, après-midi, soirée réservée aux deux demi-finales et à la finale. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. On se retrouve aujourd'hui pour la ZLAN 2021 en compagnie à ma droite de Arcantor. Regardez, il fait coucou à sa caméra. À ma gauche de Guil, fait coucou. Tu peux faire coucou à ta caméra. Regardez-les quand ils sont contents. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon que vous portez bien. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Ma tenue du jour, mesdames et messieurs, en rose, avec bien évidemment un casque rose, un masque rose, parce que voilà, on est trop chaud. Ah d'ailleurs, attendez, mais je peux vous montrer la salle. Attendez, pour ceux qui veulent voir la salle. Eh, regardez-moi ça, cette salle les gars, incroyable, regardez-le comme il est content là. Comme vous voyez, on est pool 6, voilà, donc c'est la deuxième colonne en bas en partant de la gauche. On est seed 1 parce qu'on est la première team tout en haut, les teams sont faites par rapport au seed. Donc c'est-à-dire que selon les organisateurs de la LAN, on est considéré comme les meilleurs de notre pool, ce qui est totalement faux, soyons d'accord. Éloigne-le, quand tu gueules comme ça, éloigne ton micro vraiment. Demain ça commence du Probert. Aujourd'hui, en gros, pour vous expliquer, il va y avoir Valheim en premier. En fait, du coup, sur Valheim, du coup, pour vous expliquer, en gros, l'objectif du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans les deux premiers boss du jeu. Le truc, c'est qu'il y a un boss qui est faisable assez facilement et le deuxième boss qui est faisable un petit peu plus difficilement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir la run. On n'est pas sûr d'y arriver pendant que tu fais des conneries. j'ai lancé la squad. Et ensuite, bon. Ce qu'on va du coup essayer de faire, c'est en gros, Bichard va aller faire le premier boss tout seul et nous, avec Arcantor, on va essayer d'aller faire le deuxième boss. On n'est pas sûr d'arriver à faire le deuxième, mais on va essayer d'aller le plus loin possible puisque c'est ça qui va compter dans les places. C'est le plus loin possible dans le jeu. Ah oui, il a amené un truc aussi. Ça va être horrible le son là. Ah non, pas entendu, excellent. Ah ouais? Pour vous expliquer rapidement, on a une stratégie qui est pas du tout efficace, qui consiste justement à se séparer en deux. Arcan et Guil vont aller faire le deuxième boss directement pour essayer de gagner un maximum de temps, pendant que moi je vais aller faire le premier. Le premier est faisable tout seul, il est un peu compliqué, c'est juste que la route pour faire le premier est assez longue, vous allez le voir. Non. Oh, pourquoi il se barre là? Elle est là. Allez, s'il te plaît. Oh, j'ai le démon, qu'elle soit pas morte en un coup. Bon, j'ai pas eu la tête. Et là, c'est la RNG du jeu, mesdames et messieurs, parce qu'en fait, il y a 50% de chance que quand je tue une biche, qu'elle me drop une tête. Et en fait, c'est ce que j'ai besoin pour aller tuer le premier boss. Voilà, et on va aller vers... Est-ce que vous voyez les petites couronnes que j'ai là devant moi? En fait, c'est ces petites couronnes où je peux trouver le premier boss. C'est terrible ce qui se passe ici, les gens. C'est terrible. Hein. C'est terrible parce que j'avais fait vraiment un bon début de run, et là, là les biches me niquent, quoi. Rien. 50% de chance. Hein. Je
Tu vas totalement me suicider et revenir, je vais pas te mentir là, pour commencer. Mais bon, faudrait que je reprenne tout le bois et tout, donc c'est la sauce un peu. Ouais. Les gars, je viens d'avoir une tête. Nice. Et t'en faut combien? T'en fais 3? Faut 2 moi. Eh, s'il te plaît. Yes! C'est bon, je l'ai. Ouais, les premiers boss pour ma part. C'est un truc de fou, vraiment. Faut qu'il se focus, il peut le faire. Allez, biche bouche, on prend en toi, t'es le boss. Allez, ça va le faire. Il reste 30 HP. C'est bon. Et attention, mesdames et messieurs. Hop. C'est bon, j'ai fini. On va faire un lit. Parfait, Bijou. Parfait. Trop fort. Prêt à poser le feu. Tu m'as dit juste, je suis prêt à poser le feu. Quand tu veux, on est ready. Vas-y, let's go. Quand tu veux. Allez, les gars. Au pire, ça marche pas. De toute façon, on l'aura fait spawn. On pourra pas faire plus, je pense. Mais vas-y. C'est loose. Ouais, c'est mort. C'est terminé. Ouais. Ouais, c'est loose. Tiens, on aura dû laisser. Bon, faut un coffre, faut un chest. Oh, dommage. Ah, mais ça aurait été mort, je pense. Rien. Moi je le range comme ça mon gars, franchement j'y vais mec. Prends un item hein, prends un item avant de crever sinon ça sert à rien. On essaye, on peut le faire en 10 minutes le buter en vrai, ça se fait. C'est pas grave. Là on l'a mis midlife en vrai, on peut le faire. En tous les cas, on a vraiment eu ça et ça c'est déjà ok franchement. J'espère juste que les autres teams n'ont pas fini. Vas-y, allez, 5 minutes on peut le faire, allez mon gars. Allez, j'ai mangé un coup, on y va. Allez. Hein. On va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Ça peut les gars. On va jusqu'au bout mon gars, même si on finit pas c'est pas grave, on se donne à fond mon frérot. Yep. 4 minutes. Oh mon gars, les dégâts qu'on lui met là. Allez, vas-y. Oh vas-y mon gars, c'est possible, allez. C'est faisable mon gars, allez. On va le tuer mec. On va arriver là. Ça peut se jouer à quelques secondes. Mais on peut le faire. Allez, pure pitié. Allez, putain, pitié, allez. Oh, vous le méritez. Ah non, vas-y, sérieux, ça va être trop short. Non, vas-y, c'est faisable, prends jusqu'au bout. Vous me guidez. Jusqu'au bout, les gars. Allez, on prie. Vite, dépêche-toi. Oh putain, ça va se jouer à 20 secondes, je crois. Ah putain, vite. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Non, ça casse tous ces étoiles. Ça casse les couilles. Il me fait spawn mon truc. Yes. Ah, fais chier, il se barre en plus. Fais chier, quoi. Ça fait pas de spawn. Ça pouvait le faire, quoi. On a vraiment pas eu de chance sur cette road, mais bon, c'est quand même bien emmerdé pour ce qu'on avait, hein, franchement. Incroyable! C'est fou ça! Le buzz mon gars, le buzz! Malgré tout, vu le peu de temps auquel on a joué, on a quand même fait une bonne run, vous voyez? Ça reste ok. Voilà. Maintenant, on passe à un autre jeu, Battle Ride Royale. On sait que c'est notre point fort, on verra ce que ça donne. La soirée fait que commencer! La phase de poule fait que commencer! On sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours, les gars, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes! Hein? Comment ça se joue? Attendez. Voilà. C'est bon. Et quand même, sacrément sexy lui, hein. Bref. Les gars, il y a Zerator en face de nous. Je pense que je suis en train de tomber amoureux. Je préfère être honnête avec vous, tu vois. Il est tellement beau, je le fixe. Regardez bizarrement Guigui. Je crois que ça le gêne. Valheim, il y a comme une grande part de RNG aussi qui tourne autour de ça. Hein. Juste qu'en fait, en gros, quand tu tues un cerf dans Valheim, t'as 50% de chance qu'il drop et 50% de chance qu'il en drop pas. Sauf que Bichard, visiblement, n'a pas le mode de Dream qui permet de faire passer de 50% à 80%. Allô, connais Dream, Quentin, hein, il l'a dit. Ouais, hein. J'ai suivi un peu. Pas tout, mais j'ai vu que c'est un cheater et qu'à la base, c'est pas un cheater. Tu veux qu'on te fasse qu'on parle d'autres cheats? Bah, bref, allez. Les gens qui tapent au-dessus des tours. Allez, arrête! Non, mais Quentin! Je sais pas, j'ai entendu ça aussi après. Ça va pas! Non, mais regardez-le, comme il est trop fier là en plus! 4ème, on me dit dans le chat. Ouais. Je vais en bas, je vais au loot sud. Je suis en haut, moi. On va peut-être croiser des équipes qui viennent de village et qui veulent aller fort aussi, mais je pense. On les bute direct ou pas? Seul. Ok, laisse pas ici. On les bute direct. Pardon, Bichard. Hydra sauce. Oui! Mort. Yes! Voilà, c'est bon ça. Il y a quelqu'un là. Là par exemple, il y a quelqu'un. Ça se barre. Il est là, ils sont deux. Il y a l'autre équipe qui fait chier du coin. Ils sont là derrière en gros.
Ah ouais? Ah oui, ils sont là, ok. Ok, on tue le chef. Nice. Il est en moins. Ah, ça va être compliqué. Hein. Je suis tout seul. Bon, les gars. Ah, mais faut que j'éteins mon écran en fait. Vas-y, il est mort lui. J'ai eu. Bien joué. Vas-y, on le chope. Ok, stop. Cancel. Derrière, y'a un mec en haut. Y'a des gens en haut, ouais. De toute façon, il arrive sur moi. Ok. Là, y'a beaucoup de gens, mec. Faut qu'on se casse de là, en vrai. Fort. Il est trop fort. On est stun de ouf, mec. Hein. T'inquiète. Ah, vas-y, ah, chier. En vrai, il va mourir. Bon, il meurt. Ah, bon, j'ai eu le kill. Il va mourir, mec. Il est mec, t'es tout seul. Il est incroyable. Je l'ai eu. Lui est mort. C'est bon, on va l'avoir. Incroyable. Faudrait que je puisse me régène. Ouais, ça paraît compliqué. Vas-y. Pique-toi. Je vais me heal d'ailleurs aussi ici 2 secondes. Attends 2 secondes. Attends, tu tombes pas un peu. Oh. What? On est 2v1. Il est là. C'est bon, c'est gagné. Yes. GG mec. GG mon gars. GG les gars. C'est bon ça mon gars. Belle win. On a pris beaucoup de kills en plus à la fin. Puis on a 11 kills, t'as eu un assist, c'est ok. Bon, t'as énormément de points. Deuxième game de Battle Riot après un magnifique top 1 de la team PLPP grâce à Arcanteur et Guil parce que je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas très grave. Il y a Omen qui vient de me mentionner 45 000 euros réussir ses partiels. Alors on va se faire du char, tente les deux apparemment. Je suis mort. Derrière, il y a Emmanuel Macron qui m'a envoyé un SMS. M'a dit GG les partiels en LAN. Allez, on va ouf. S'il y a personne qui drop ton bon entier, qu'on peut y aller. Hein. Tu veux y aller maintenant? En vrai, go. Il y a des gens qui lootent aussi, hein. Mais pas loin. Ah, Oasis? Il y a beaucoup de gens. Non, ils sont en ruine. Oh, t'es où, Arcan? On est tous les deux avec Bichard au marchand en haut. Il y a Babou. On est mort. Comment ça? On est mort du coup. Ouais, on se fait chase. On se fait chase par une seule. Vous êtes où? Au marchand, je t'ai dit en haut. Ah, mec, on fallait pas. C'est une blague! Il a pas un kill? Ouais! C'est une blague! Ça me va. Il a failli un V3. Oh, il a failli un V3, ça ouais, c'est fou. Putain, mais ce monstre, il a failli et un V3, mon gars. Putain, ça aurait pu le faire, je suis deg. C'est incroyable. Bon, allez les gars, on est reparti. Mesdames et messieurs, avant-dernière game de Battle Riot Royale. Ah oui, non, mais très clairement. Attends, Babou, sur moi. Attends. Il est dans la maison. À droite. Bah, moi, je suis un peu parfait. C'est bon. Ok, oh là là les gars, on va mourir. Derrière nous. Oh, on se fait kidnap. Go se casser. Monte en haut. On va aller au scintillant au-dessus, on va d'abord faire le petit petit renfoncement là. Ah, shit. Là, il y a quelqu'un là, mais avec nous. Mais en fait, il y a les yeux sur moi, les gars. Mais quoi? Mais t'es où? En fait, je vous ai suivi, hein. Ah non, il y a S2 là. Ok. Go sur S2, viens derrière, space derrière et viens sur S2. Je peux rien faire, ils sont deux sur moi, mec. Vas-y, je meurs, mais c'est pas grave, vas-y, occupe-toi d'As 2. Ça c'est incroyable par contre. C'est incroyable! Viens là, sale chien! Je te détruis en fait! Je vois un V3 en fait! Y'a quoi? Oh, mais c'est. Ah non! Y'a quoi? Ok. Ouais, mon gars, il a fait, mais c'est un truc de malade! Je vais le faire, hein. Je vais le faire. Oh non! Merde, j'ai envie de tout casser. Oh, c'est bon, c'est bon,
Qu'est-ce qu'il fait là? Prendre mon tonneau, il est fou en fait. Allez monsieur. Oh le mouton qui va vite. C'est un piège ou... Mais... Oh, ça c'est marrant ça. Mais c'est incroyable. Oh ça c'est dommage ça. Ouais. C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est une blague. Mais il est trop fort. Encore une fois, le mec a gagné. Mais oui. Ça fait deux wins et une deuxième place. Mesdames et messieurs, nous sommes partis ensemble pour la dernière game de Battle Rise Royale. Hey. Ici, il y a des gens derrière. Ouais. C'est Jean-Max. Okay. Oh là là, Bichard. Bichard. Ouais, mais t'es... Bon. Désolé. Attends, il est parti en bas. Prends l'assist, Bichard, s'il te plaît. Désolé, hein, Jean-Max. Hein. Allez, tue-le. Oh, bon. Là, là, là. Là, là, ils sont là. J'en tue un. C'est bon, je vais avoir le. Bon, parfait. On va c'est relou, ça. On va attendre ouais. Ah oui, super. Bah voilà, bien joué à toi. Bien joué, Bichard. Oh, oh, derrière, les gars, les gars. Derrière, derrière, s'il vous plaît, les gars. C'est bon, attends pour. Oh, non. Il va tuer, il va tuer. Arrête toujours. Pardon, Guy. Faut le prendre, lui. Tuer, ouais, ouais, fallait éviter de tuer le joueur en premier, je pense. Mais ouais, mais au moins, ça fait le kill parce que c'est lui qui allait le prendre. Crève pas, mec. Hein. Oh, il m'a mis une autre tour à 29. Vas-y. Bichard, ne tape pas. C'est bon. Yes. GG, Bichbouche là. Attends, vas-y. C'est un petit fight là. Hey, on a gagné une game. Attends, on se heal. Let's go, les gars. Je crois que là, c'est la fin. Le contrat est rempli. Et là, il y a GeoGuessr. Et là, ça va être une catastrophe. Hein. Une cata. Mais il a tout fait tout seul. Hein. Il est incroyable. Mais il a un V3 aussi, la team d'As2. Ouais, c'était un plaisir. Hein. Bah, à la prochaine. Hein. Aucune idée de qui c'est. Allez. Et j'ai déjà envoyé pas mal de choses au monteur. On vient de te voir passer sur le stream avec ton costume rose, tes oreilles de chat, ça m'extermine. Regarde. Ouais, mon gars, ouais. Oui. Non, il a que... Donc France, Europe et World, avec des points préparés à l'avance, mais personne ne les a eus. Pas déçu d'avoir raté la finale Koh-Lanta. Ok, je ferme. Je ferme, les gars, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, ça parle d'un sujet sensible, je ferme, c'est bon. Les boules sont bien faites, quoi. Ah, on est quatrième, hein. C'est pas normal. Non, il y a un problème. Ouais. Pas possible. On est troisième, ça veut dire sur Battle Royale. Impossible. Faut aller voir, hein, parce que là c'est pas possible. Ouais, on verra après. Il y a peut-être un problème sur les classements. Ah. C'est parti. Bon, oui. Alors, Serre-sur-Mer, c'est écrit. Ville de Saint-Serre-sur-Mer. C'est chez moi, ça. C'est là, Saint-Serre-sur-Mer. Boum, allez. On ne peut pas trouver genre. Là, le port, c'est juste à côté du port. Ok, c'est. Il est où le port? En tout cas, mets un point ici déjà. Je me fous par là. Ça va. C'est quoi qui est écrit là? Passerelle de la place et ton sang. Là, y a une... Ah là, Strasbourg, ok. Déjà, on va se poser vers Strasbourg à peu près, voilà, on va se poser par là. Ah, Ersten, attends, on était pas là? Y'a pas île là par là en vrai? Est-ce chaud, on est là? Je me mets là? 0-1, Paris, vers Paris. C'est Boissy. Par là, je mets là? Par là, genre, je sais pas. Eh franchement, c'était pas ouf celui-là. Hein. Ça va. Ouais, j'aurais dû mettre. C'est pas grave. Zéro info. Là, des petites infos peut-être. Ah là, il y avait un truc là, c'est quoi? C'est quoi ce département là? Occitanie, c'est. Ok, c'est en bas. Occitanie, c'est ici. C'est là. C'est vers Toulouse, donc c'est ici, en gros. Tarbes, Toulouse, Carcassonne. Foi. Oh la chatte sa mère! C'est incroyable. Putain. Yes. Il y a juste les plombs qui sont partis de mon micro, pas de problème. C'était visiblement pas assez serré, c'est pas grave. Bah on peut dire que mon micro a pété les plombs, lol. Ah, c'est parti pour moi. Bon voyage à tous. Ok. Ça me paraît d'être genre l'Islande, ça, non? Ça me paraît vachement montagneux. Je peux pas. Si, c'est Islande, ça. Ça, c'est Islande. Mec, Runavik, c'est comme Reykjavik. C'est la même merde. C'est obligé que c'est l'Islande, ça.
Après ouais non, on n'est pas sur la 60 actuellement donc c'est un peu dommage. Oh ouais. What the fuck. Oh, c'est très connu. Mec, j'en ai aucune idée, j'ai jamais vu ça. DK, Danemark. Non, bah non. Bah si. Au début, le truc qu'on a vu. Ah non. C'est pas grave. Ça va. C'est la Corse, ça, non? Italie. Mais c'est sûr que c'est une petite île de merde. Je suis sûr qu'ils ont fait ça, genre. C'est pas là, genre. C'est très loin, là. Tu penses? Bah là, si c'est Italie même, on a perdu beaucoup de points. Ah ouais? Bah je troll pas, mais. Il reste 5 secondes. Non, y'a rien ici, hein. Ah, oh putain, c'est ça! Bah, je suis désolé! Ah, mais c'est pas grave. Pour le coup, c'était. Ça, c'est genre. Ça, c'est les trois pays nordiques, ça. On va croiser probablement des méros. Ok. Du coup, c'est. Bah, c'est de la Russie, hein. I guess, hein. Saint-Pétersbourg, t'as la Russie. Ouais, Saint-Pétersbourg. 120 km de Saint-Pétersbourg. Y'a ça? Pskov? Attends, non, bah, du coup, c'est entre les deux. Mais Pskov, il était là. Oui, du coup, c'est entre les deux. Si, regarde, c'est là. Ouais. C'est entre les deux. Donc c'est 216, plus proche de Saint-Pétersbourg. Ouais mais deux Saint-Pétersbourg et deux Pskov là. Okay. Okay, c'était là. C'est pas si mal. Voilà, c'est bon, vas-y go. Bon. Oh, on a un panneau là. Ouais, South, 50 West, États-Unis. Moi j'aurais dû plus là vers là. Salt Lake City. J'ai vu un Salt Lake je crois tout à l'heure. Donc en vrai, ça doit être pas loin. 80, regarde la 80, on est dessus. De sa mère. On se met là ? Bon, je sais pas où on est, mais on est pas là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là ! Incroyable ! 2, 1, c'est parti ! Sri Lanka. Là. Il était incroyable. Imaginez, c'est pas ça ? Si, c'est marqué Sri Lanka, frère. C'est pas ça. C'est vraiment le même. Attends, MR13. Attends. Genre. Va vers Afrique, vas-y, zoom, genre Eswatini, ce genre de truc. Je crois que c'est genre MR, tu vois, c'est ça. C'est ça. Mais t'es un putain de film. J'ai vu des streams un peu, hein. Et ça, c'est quoi? Là. Attends. Ouais, Nlango. Là, Nlango. Ouais, donc on est là. On va. Attends. Moi, je te promets qu'on est là. Ouais, en vrai, non, là, je pense que t'es bien. Ouais, regardez. Ouais, même là, tu vois. Oh, on est bien. Allez, let's go encore là. Okay. C'est Vende. Casa. Sur le mail en bas. Point co, super. Attends. Y'a un truc point co là. Colombia. Colombia, j'espère. J'espère que c'est ça. Hein. Les gars. Ouais. Antoine va trouver. Ok, on est à côté de l'eau. Bah nous là. Oh bah alors là. Oh. C'est du Japon. En vrai, c'est ok. Hein. Eh les gars, jouer sur top 3. Oh merde, c'est l'inverse. Oh merde. Oui. On est avant en dernier. Oh bah nul. Bah en fait, le truc, c'est que si sur Battle Royale, on est vraiment 4ème, bah on est baisé. Du coup, ça veut dire que les points de position étaient beaucoup plus importants et qu'il fallait juste qu'on reste en vie jusqu'à la fin à chaque fois. Ça veut dire que du coup, bah les 3 top 1 qu'on a fait, bah ça va rien. Bah écoutez, les gens, c'est une soirée dure. C'est sur des tristes paroles qu'on se quitte ce soir. Ouais, un peu, ouais. On se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, demain à 13h. On viendra toujours avec le smile. Hein. Gros bisous à vous. Bon, bah écoutez, je vous avoue qu'hier, j'avais pas la foi de prendre la caméra. J'étais pas assez motivé, je savais pas trop quoi dire. Bah en même temps, on a pas fait une bonne perf et d'autre côté, on aurait pas pu faire mieux. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est le but d'une LAN, on aurait dû mieux lire les règles, on aurait dû plus se préparer. Maintenant, on entame pour la deuxième phase. Ça va être, enfin la deuxième phase des poules, le samedi. Ça va être très compliqué, en fait, parce que bah on est sur des jeux qui sont très train. Et si les équipes ont vraiment traîné ces jeux, bah je pense que là c'est foutu. Il y a un monde où on passe et on finit premier tout le temps, mais ça va être impossible. Là on va juste essayer de prendre un max de plaisir. On est là pour vous faire kiffer. Voilà, donc je suis un peu désolé parce qu'il n'y a pas trop de continuité dans ce vlog. Mais en même temps, j'avais pas la foi hier de prendre la caméra pour dire « Bah du coup on a perdu !» Du coup voilà. Allez, on y va. Et c'est parti. Les gars, alors comment ça se passe la LAN pour vous? Bah ça va, facile hein, pour l'instant, deuxième. Deuxième,
Deuxième, ça gère. Ouais, non, on a fait on a fait comme prévu pour l'instant. L'objectif, c'est passer les poules ou vous visez... Perso, l'objectif, c'est la buvette à 18h à la fin des poules. Bon, bah, masqué, ohé, ohé. Non, bah voilà, bah, on est content. La poule s'est bien passée. On est fait premier, quatrième géoguesseur. Et là, il reste des jeux dans lesquels on n'est pas mauvais, donc on va voir. Inch'Allah, on passe en poule. Vous pensez quoi physiquement de Bichard? Bichard? Nomo, hein, Nomo. Bichard? Ouais, Bichard. C'est un campeur sur Minecraft, bâtard? Non, je rigole. Non, bah, Bichard, je kiffe, il est vraiment gentil. Et je dirais qu'il est jovial, il sourit tout le temps. Et ça, c'est cool. Enfin, il aime bien sourire et j'aime bien. Moi, j'aime bien, ça me fait kiffer. Donc, non, vraiment, j'aime bien. À part sur Minecraft, quand il campe au Twitch Rivals, enculé. Non, je rigole. Ça passera, ça passe. Ouais, c'est un BG, c'est un BG. Je me suis dit, je vais acheter le même casque, mais. En vrai, c'était un défi, hein, c'est pas un. Ah ouais? Non, il a pas ça. Moi, je suis sûr, il kiffe en fait. Non. Ouais, franchement, je suis sûr. Ah non, mais là, il l'a commandé hein, sur Razer. Hein. Ah ouais. Non, je rigole, je rigole. Sûr, c'est vrai. Je rigole dans l'intrigue. Lui, notre meilleur joueur. Notre meilleur joueur, c'est lui. Le meilleur joueur? Il parle pas trop là. Mais. Il parle plus, je frappe trop. Oh, le monteur. On est dernier. Frappe de mouche. On est dernier de la poule. Bonsoir à tous! Salut, bienvenue pour ce deuxième jour de Zilan 2021, j'espère que vous allez bien, on est en compagnie de Guilherme Cantor. Nous sommes là aujourd'hui plus motivés que jamais pour essayer de vous présenter du gameplay de qualité. Et on va commencer déjà tout de suite dans les prochaines secondes par Trial Racing. Trial Racing, ça va jouer justement, on fait deux maps chacun. Jean fait deux, Guil en fait deux, Arcan en fait deux. Et en fait, c'est un relais, c'est chacun son tour. Donc je vais commencer par faire mes deux maps. Ensuite, Guil va faire ses deux maps, je crois. Et ensuite, ce sera Arcan pour finir qui va faire ses deux maps. Voilà, j'espère que ça spamme des émotions. Drapeau dans le chat, ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué, un petit peu. On a une petite désillusion, quoi. On va pas se mentir hier avec. Catastrophe, hein. Je pense que le seul regret que j'aurais, c'est vraiment Battle Royale. C'est vraiment Battle Royale où on n'a pas. En fait, on n'a pas eu la bonne strat de jeu, mais c'est juste que bah, c'est triste parce que franchement, ok, nous avec Bichard, c'est vrai qu'on méritait rien parce que vraiment on est mort vite et tout, tu vois. Mais Arcanthor, avec le spectacle qu'il a proposé, méritait vraiment plus, quoi. Allez, on est parti pour la première map. Désolé. C'est bien, mec, c'est bien, c'est bien. Désolé. C'est bien. Hein. C'est bien. Plus un. Bon, non, incroyable. C'est parfait. C'est bien deuxième comme ça. C'est parfait. Boss. C'est pas possible d'être aussi bruyant dans la vie comme ça. Non mais vrai. Je suis sûr, ils sont réveillés. Mais c'est pas possible d'être aussi bruyant. Meurt. Non mais quand même. Le mec est vraiment dans l'extrême. Attends. Le pauvre Elisio, il avait rien demandé. Ouais, mais bon. Oh no. Il va peut-être aller gratter une petite place de plus pour avoir un petit peu de points en plus. Bien joué, mec. C'est pas grave. Bien joué, c'est pas grave. C'est terrible. Il n'ira pas chercher la première, mais à rien. Bien joué, mec, c'est très bien, c'est excellent. C'est bien. Allez, Alcatraz. Alcatraz, c'est ta map, donc tranquille, focus-toi, et puis même si tu rates, c'est pas grave. C'est horrible de dire ça comme phrase. Oh là là, c'est jamais, jamais de la vie on fait ça avec Arcopa. Jamais. Non. Oh, la fin me met à fond, mais c'est terrible. Bichard monstrueux sur cette map, regardez. Je bouge, ça c'est bon mon gars. Nice. Joue avec mon gars, voilà, bien joué, voilà, exceptionnel. Très très clean monsieur. Ah merde. Le pire start de ma vie. Le start était pas fou mais ça se rattrape. Attends, il peut rattraper Babou, regardez juste là. Deuxième en vrai.
Rookie Hedgehog. Let's go. Oh oui, ça met bien ça. Oh ça, ça met très très bien ça. Ça, ça met bien ça, Bichard, voilà. C'est le résumé de notre ZAN, hein. c'est des trucs du spectacle quoi, c'est un truc de fou. Yes! Je suis premier, il a le choc à la fin. Oh aïe aïe aïe. Bon vas-y, fais continuer, prends un screen là. Je le prends aussi si tu veux sur l'écran là comme ça moi. Alors cette map si vous la découvrez, c'est une des maps les plus compliquées, vous en rappelez peut-être pendant les trainings hein. Regardez Arcan qui remonte 4ème. Ça prend devant, c'est pas grave, 4ème c'est ok. Ça va très bien. Oh 5ème. Normalement ça gère mieux là. Là toutes les maps qui arrivent, c'est des maps qui sont très compliquées, très facilement stockables. On va bien se placer, la roue arrière, parfait. Réception. Ah ça c'est magnifique. Oh magnifique. La transi incroyable. Qui fait passer premier. Allez la fin à pas de choc, Dommage, c'est pas grave, t'es encore 3ème. Ah non, t'attends. C'est pas grave, par contre, bien joué. Incroyable, hein. Oui, c'est bon, allez. Ça passe. Bien joué. 3ème place. Allez, peut-être aller chercher la place du dessus. Ça passe, peut-être un choke de Flamby. Oh, le choke de Flamby. Allez, la 7ème place qui va aller le chercher. Désolé, les gars. Mais y'a aucun problème, mec. Actuellement, Gil. Insane Gil. 3ème de sa run. Avec un as de pique qui est vraiment très fort. As de pique et Gil qui sont au coude à coude actuellement. Peut-être. Bien joué, Gil. Oh, la très bonne transit par contre de part de Gil. Il va peut-être lui faire passer 2ème. Oui. Qui peut-être aller chercher. Éventuellement. Une première place. Guillaume. Pour la fin. Ouais. Alors normalement, il n'y aura pas de ridou. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Faut ridou. C'est terrible. Ouais, ça te dégoûte, hein, mais c'est vraiment l'impression que cette Zilane, en fait, on n'a pas de chance du début à la fin. Hein. C'est bon, tout le monde est là. On y va. Oh non! T'as pris la... Ah non, Guido, Guido. Rideau. Ouais. Non, c'est bon. Bah non, après, on va... Non, mais si, un frère. T'as très... Mais non, mais non. Mais oui, mais non, mais c'est ma faute. Ah là, bah oui. Bah oui, je peux pas le faire, j'ai pas la moto. C'est bien. Allez, on remonte combien? 5ème, même pas. C'est trop loin, je remonterai pas plus haut 5ème, hein, malheureusement. Je crois que c'est une 6ème place qui va parler. Ouais, Samuel a fini. Bah écoutez, c'est triste, mais bon. Le pité, parce que franchement, bah je sais que je vois pas ça, quoi, en fait. Bah ouais, nous aussi on le sait, hein. Mais attendez, on avait 5 là, il y a 2 secondes, non? On vient de perdre un point. On a 7 points de retard. Il s'était même trompé sur notre position. Enfin, s'il vous plaît, genre, franchement, c'est... On se rattrapera au Twitch Rivals. Les gars, champion. Yes. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Oh, putain. Yes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de au moins s'en sortir sur Warcraft pour pas venir encore en dessous. Les derniers. Bon. Bon voilà. Et du coup, on a demandé à Ridou et on nous a dit non. Ouais, forcément, je suis. Mais c'est pas grave. Chose à notre score vu que les autres sont quand même bien devant. 21, ça veut dire qu'il manquait quand même 4 points. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Je vous jure que c'est pas ce que vous croyez. Mais je... Oh, le moment de gêne. Mais en fait, il y a Nico qui est venu pousser le bureau des mecs derrière. Et du coup, j'ai regardé pousser le bureau. Sauf que bah, forcément, comme j'ai toutes les POV, les gens, ils ont tout vu. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un relais. Et en gros, il y a Arcan qui va prendre en premier le truc. Et ensuite, on switch sur le même PC. Et tout ça se fait sur mon PC. Ok, on est parti, mesdames et messieurs, pour Warcraft. On va aller prendre notre premier héros. Oh, déjà, ouais, putain de sa mère. 4, 3, 2, 1.
Ok, tu vas aller taper directement les mobs qu'il y a là, donc les plus petits en premier, genre lui d'abord en premier là. En attendant, tu vas... rien en fait, non, tu peux aller... tu peux aller checker ça, tranquille. Voilà, tu recules, c'est super. C'est super ce que tu proposes. Ça se passe très bien pour l'instant. Friendzone ! Putain, les alertes. Pas si grave. Ok. Les deux autres... Ok, bah bien joué. Oh, on est troisième, putain, bah... Oh, on est... Ah, oh, ça dégoûte en vrai, hein. 500 points. Bon, les gens. Hey, comment ça, 4000 viewers devant... Non. Mais désolé, vous j'ai battu vu, mon record de viewers sur Warcraft 3 et ça, c'est fou. Et là, on va passer à deux jeux qui sont vraiment cool. Moi, je vais vraiment m'amuser dessus. Quake, dans un premier lieu, dans un premier temps. Et ensuite... Trackmania. Oui, maman. Oh, ma... dans la télé. Ah, je... c'est trop mignon. Maman, on a fait troisième sur Warcraft. Non, bah, j'ai Play. Sur on a des serveurs dédiés, ah, apparemment. Ouais, mais je t'ai pas appelé aujourd'hui, du coup je tenais à t'appeler pour te dire que je t'aimais. Moi aussi, je t'aime. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a le caméraman à côté, Léon. Oh, c'est mignon. Vous aimez. Vous aussi, vous voulez dire un mot, un petit mot? Bah oui, non mais oui, j'ai droit. Non mais il se fout de notre gueule, maman. Non, en vrai, il a trouvé ça mignon. Bisous. Ah, hop, bisous. J'ai de l'eau là. Mais où est passée ma bouteille d'eau, Arcanthor? Oui. Pourquoi tout le monde se passe dans mon chat que tu as pris mon eau? Hein? Bah non. C'est faux. Bouteille d'eau plastique. Mais j'ai pas pris de bouteille d'eau en plastique, moi j'ai que des Arcanthor, bouteilles d'eau... Arcanthor, on va pas être potes longtemps. Tu veux qu'on se tape? Ok, tu crois, on fait un verre ciseaux, ok. Allez, vas-y. Everyone, j'ai le leak des mots. Regardez. Ah, ça dégage. Les bouffes, ça dégage. Ouais. Il est là, il a leak. C'est lui. Il a leak. Merci. Bravo. J'ai Merci. Eh Bichard, défends pas quand tu es dans la merde, hein. Je note ça, hein. Ça, je note, hein. Tu m'enfonces bien plus, hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Quake, c'est comme vous rappelez Shootmania. Bah voilà, ça me prépare. Faut ramasser des armes. Certaines armes te permettent de mettre plus de dégâts et le but c'est de prendre le plus de frags possible. C'est ça qui est hyper important, c'est les frags. Donc les KS, tout ça, c'est hyper important. C'est parti, c'est mesdames et messieurs, Arcanthor va jouer la première game de Quake. Il y a 3 games qui vont être joués en tout, c'est le premier à 50 points, le Rocket Launcher. Il peut avoir un kill déjà. Un kill. Dead, nice. Kill pour ma... ah. Pour... Oh, attention. Oh putain, par contre, Elise, je mets bien là. Sur rail. HP. Oh. Oh, dommage. Il a rien, oh, il a rien. Oh là 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 là. Peut-être pour le rail. Et peut-être. Le kill sur Elisio. Encore. Le kill qui enchaîne. Et du coup, il a un avantage. Oh là 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 là. Face à son adversaire. Et ça enchaîne face à Oscar, ça ne suffira pas. Attention, il change d'arme, magnifique. Alors là, il faut avoir un tracking assez anticipé. Oh, dommage. Bon, là, il est mort, On avance à sa manière. Oh, il va le tuer. Oh là là, insane. Il va le tuer à la machine gun. En tout cas, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années de ça, hein, maintenant. C'est un très vieux jeu. Hein. Pour vous donner une idée, Hypier y avait joué dans sa jeunesse. Donc pour vous, à partir de ce moment-là... Vu qu'Hypier a 600 ans, bah... Voilà, c'est ça. Que... Oh, les deux kills. Bien joué, c'est bien pris, c'est bien pris. La KCHP. Et le kill, le sniper. Oh là là, il l'a one shot, Ouais, il est dans la merde. Ah, il aurait dû aller prendre le pompe, je pense. En vrai, il aurait dû aller prendre le pompe. C'est pas grave. Oh, il va peut-être. Oh, mais c'est incroyable. Oh, dommage. Oh là, c'est pas grave. Aïe. Oh, magnifique. En fait, ça crée des émotions, ce genre, moi. Je crois qu'il a eu, ouais, il a eu. Incroyable, il va tirer dans le tas. Là, il va mourir. Armos, très bon joueur. Oh, il l'a eu. Il enchaîne. Oh, la série. Le kill. Armos, qui est pris. Le machine gun pour finir le dernier kill, c'est incroyable ça. Ça se finit là-dessus. Un peu, je frappe fort. Ça se finit là-dessus. Ah, yes. Yes, mon gars. GG. Me laisse pas en vent, s'il te plaît. Yes. Je vais mourir, tu vois. Let's go. Et là maintenant, mesdames et messieurs, c'est au tour de Gil, il faut que tu me fasses un partage, s'il te plaît. Incroyable.
La balle qui vient, la roquette qui vient de mise, qui vient de mettre là, incroyable. Le tracking qui était présent chez Guigui. Il suffit d'une mauvaise passe. Il a récupéré un kill magnifique. C'est bien Guigui, c'est bien, c'est bien. Yes! C'est Flambi qui a gagné, les gars. C'est exceptionnel. Démute-toi, démute-toi. Elle est trop bien ce que t'as fait, mec. C'est incroyable. En vrai, je suis content que ce soit Flambi qui ait gagné et pas Babou. Là, je pense qu'on peut faire un truc sympa encore. Après. Bon, bah, je vais livre. Hein. Maintenant, c'est à toi, Bichard. Joli rail. C'est bon, il va chercher sa première place. Oh, As de pique justement qui vient d'avoir Bichard. Est-ce que ça part de là? Est-ce que ça part de là? Ouais, As de 49, il vient de tuer As de 49, on va avoir la victoire de Bichard. Bien joué. Oh, il est content, il a explosé. En plus, quoi que c'est vraiment, t'es ultra concentré et d'un coup tu relâches la pression. Ah, ça fait plaisir à voir, des belles images, mesdames et messieurs. Et je crois que il a fait un petit bisou forcément à la caméra. Avec son casque gamer, évidemment. Hein. Je crois que c'est terminé. Hein. Oh yeah, je suis trop content les gars, je suis trop content. Oh, j'allais exploser. Alors je rappelle aussi pour ceux qui viennent de débarquer ou quoi et qui ont jamais entendu les règles, c'est pas notre temps perso qui importe, c'est le temps de la team, c'est-à-dire que seul le temps du dernier compte. Avant de lancer les parties, mesdames et messieurs, nous allons faire le tirage au sort des maps qui vont être jouées dans cette phase de poule des Glinglas. Oh, ce sera Kanchintu. Troisième map, ce sera Bouduc. Et enfin, il s'agit de Autosave 9. Pour cette fin de Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Dernier jeu pour nous, je pense, ouais. De cette Zealand. On va essayer de prendre un maximum de plaisir. C'est le plus important. Ouais. On y a joué depuis des mois, ce jeu. Plusieurs semaines. Prends le temps de finir. Putain, Noël, j'arrive. T'as fini? Ouais. Oh, vraiment? Ça, c'est terrible, par contre. Voilà. Ok, on est plus 10. Yes. Ok, Team Test 2 finit pas, les gars. Ok, c'est pas grave, on remonte. Il est parfois arrêté, pas grave. On est à safe way, hein. Bien joué. Bien joué, bravo. Félicitations. Désolé. Pas de problème, pas de problème. T'inquiète. Là, je l'aurai pas. Ouais, voilà. C'est fini, toi, là. C'est beau, ça. Je suis un peu loin, désolé. My bad. Problème, prends ton temps, vas-y. Personne pas de soucis. Celle-là, les gars, ça va être compliqué pour moi. Celle-là, moi, je la trouve incroyable, genre. Oh. Bon, oh ouais. Le mec, il a cassé son écran. Incroyable, on a fini, on a fini les 3 derniers. Impec. Bon. Fais plus vite, ça va. Vous la connaissez celle-là hein. Ouais, vous le savez. Full safe, ouais. Regarde. Ouais, je suis premier, en moins d'une minute premier. Zerator avait raison hein. Plus 10. Plus 10, GG les gars. C'est Bichard là. Hmm bah tu vois. Je t'ai passé à la fin. Mais je suis dépouillé. Non. Oh non. Avec Pierre il passe en 8ème. Hein. Avec Pierre il passe en 8ème. Bien joué à GG. Bien joué. Nous on va pas passer à un point près, je suis dépit. Bien joué hein. Ouais, je perds beaucoup de vitesse, ça paraît compliqué mais... Et voilà, c'est fini. Et voilà, les gars. C'était la dernière. Et voilà, c'était la dernière.
Bien joué, premier TM. Bravo, les gars. Et on perd à un point. Mon point, Guigui. Un point, on perd. Mon point, Guigui. Mon point, Guigui. Bon, merci. Ça se joue à Ridou. Mais écoutez, putain, je suis dégoûté, on mérite tellement quoi, on mérite tellement. Seed 1, Team BIT. Seed 2 du groupe 6, Fist and Serious. Bon bah écoutez, il est time du débrief. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette ZLAN 2021 pour la team PLPV, pas les poules, pitié. Finalement, comme le nom de team le disait. Bah on est sorti en poule, voilà. Pourquoi on est sorti? En vrai, pour plein de raisons. Le fait qu'on a manqué certainement un peu de réalisation, un peu de training, un peu de chance de temps en temps. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est... Moi personnellement, je me suis quand même amusé. On a mis un petit peu de temps, d'engouement. On a mis un peu de joie, je pense, pour certains, durant ces week-ends. Par contre, il y a eu du spectacle, hein. Il y a eu du spectacle, clairement. Je suis désolé, mais on a un top 1 sur Quake, magnifique. On a un top 1 sur Trackmania, magnifique, mais ça n'a pas suffi. Merci de cette invitation, c'était exceptionnel. Et merci à toi. Non, mais... Attends, votre communauté est incroyable aussi. Je suis dégoûté pour toi. Non, mais en vrai, il y a En vrai, tu méritais plus. Non, j'aurais été meilleur, tu vois. moi, je vais m'arrêter là parce que... Moi aussi, je vais m'arrêter là, en vrai. Hein. Venez genre lundi soir. Parce qu'il est temps, il est temps. Sur ce, gros bisous, c'était Bichebouche. Plein de cœur sur vous, merci beaucoup pour tout le soutien de cette LAN. La ZLAN 2021, mesdames et messieurs, est fini pour la team Palépoules Pitié. On s'arrête ici, c'est dommage, mais bon, en tout cas, on aura pris du plaisir. J'ai passé un très bon week-end et sachez que j'ai fini mes partiels pour cette semaine. Je reprends dès lundi, dès demain, du coup, parce qu'on est dimanche actuellement à l'heure où je vous parle et qu'il y a deux demi-finales qui sont en train de jouer, la team FC Futulu contre la team Cake et de l'autre, la team Skyheart qui a déjà gagné sa demi-finale contre la team à Crocodile, à Eliodar et à Bren. Sachez que j'ai pas trop filmé parce qu'en fait, je suis très peu à l'aise avec une caméra. J'ai remarqué que j'étais très peu à l'aise avec une caméra, donc je vais essayer d'améliorer ça pour que à l'avenir, ce soit beaucoup plus mieux. Voilà, c'est tout. Donc je sois beaucoup plus à l'aise. Pour les prochaines LAN, on se retrouve le 28 et 29 août pour le Game Pass Challenge, qui est une équivalence de la ZLAN, sauf qu'il n'y a pas 200 joueurs, il n'y en a que 100. Et on sera en team de 2 avec The Guild, toujours, hein, voilà, comme pour la première ZLAN. Il y a Minecraft en plus, donc vous risquez de bien aimer. On se retrouve toute la semaine en stream, et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire, n'hésitez pas à laisser des likes, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à faire des retours par rapport à la vidéo. Allez, bisous! Non mais, enfin, il faut arrêter de filmer. Non mais, il faut vraiment arrêter de filmer. Non mais, genre, c'est bon, genre, je peux partir, j'ai besoin de retourner à ma voiture. Si tu restes là. Ok. Non, je t'ai dit, tu bouges pas. Vraiment, je t'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Je dois avoir une sacrée tête, quand même. Il est 6h30, j'ai partiel à 8h. On vient de rentrer de la ZLAN. Voilà, mon frère est parti à la gare pour prendre son train directement pour retourner sur Metz. Regardez, j'ai toute la voiture à décharger, sa mère. Et j'ai pas fini. Je donne pas cher de mon état, je donne pas cher de ma tête. Je dois avoir une tête éclatée. Oh, c'est laid. Oh non, vraiment. Merci beaucoup pour cette ZLAN, c'était un plaisir, c'était Bichard. Je vous aime. Et bien évidemment, je garde le sourire. La ZLAN 2021, mesdames et messieurs, fini pour la team sortie en fait. Ah bah non, du coup. Non, bah non, je me suis trompé. Ah. Oh, il y a quelqu'un qui me regarde en haut, c'est très bien. Vas-y. Je vais réussir, j'arrive pas. Je suis hyper gêné. Je suis pas du tout fait pour être youtubeur. Sachez-le, vraiment, je. Moi, c'est bien le stream en vrai. Je vais rester chez Twitch. Hein. C'est. Voilà. Non, mais on va voir la voiture là.